Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler cadeaux. Oui! Parce que j'ai été invité par Emma dans un super projet que j'adore qui est le Secret Santa des booktubeurs. Déjà de base j'adore les Secret Santa, mais en plus avec des booktubeurs, genre, que demander de plus? Yo, c'est le Mathieu du montage. Dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai sur la figure des traits de couleur. En fait, c'est parce que j'ai fait un projet d'art plastique où je me suis mis de la couleur sur la tête et je me suis très mal démaquillé. Voilà, enjoy! Donc dans le projet, il y a toutes les personnes que vous avez pu voir dans le générique. Donc j'ai fait une liste parce que sinon j'étais sûr d'oublier quelqu'un avec ma petite mémoire de poisson rouge. On était 8 personnes à participer dans ce projet. Il y avait donc Emma de la bouquinade, Tessa de Douce Lecture, Camille de Madame Errance, Mélanie de Strawberry Books, Élise de Ekaterina's World, Ophélie de Bellfire Talks et Anaïs de Siana Books. Normalement, j'oubliais personne. Je vais me sentir hyper mal si j'oubliais quelqu'un. Mais bon, voilà, boulet en force. Le but du Secret de Santa, c'est qu'on pioche au hasard quelqu'un et donc tout le monde va être le Secret Santa de quelqu'un et tout le monde va être le receveur de Secret Santa de quelqu'un. Je sais pas si c'est hyper clair. Bref, en gros, chaque personne doit envoyer un cadeau à quelqu'un et chaque personne va recevoir un cadeau. Sauf qu'on ne sait pas qui nous a envoyé ce cadeau et donc le but, c'est d'essayer de deviner qui nous a envoyé le colis. Donc moi, je suis allé chercher le mien aujourd'hui, qui est juste là, oui. Sachant que je l'ai reçu en fait vendredi, mais que j'étais pas chez moi vendredi. Et du coup, j'étais hyper frustré. J'étais là, genre, je veux mon cadeau! Il faut savoir une chose chez moi, c'est que j'adore offrir des cadeaux, mais j'adore aussi en recevoir. C'est pour ça que j'aime autant Noël, c'est pour ça que j'aime autant mon anniversaire. Oui, c'est du matérialisme, tout à fait. Après, moi j'aime bien avoir des petits cadeaux. Un stylo, même un dessin. Les gens qui me font des dessins, je trouve ça énorme. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. On est là pour ouvrir ce colis. Je vais enfin pouvoir l'ouvrir avec vous. Je suis trop heureux. Et le but, c'est d'essayer de deviner qui nous l'a envoyé. Je me suis muni de ma meilleure paire de ciseaux. Alors, je vais essayer de pas trop déchirer. J'ai vu beaucoup trop de vidéos sur internet où les gens rayaient les articles à l'intérieur de leur colis pour vouloir faire la même chose. Putain, je suis nul à chier en ouverture de colis. Ce que j'aime pas dans le Secret Santa, entre guillemets, c'est que j'ai trop peur que le colis que j'ai envoyé soit nul à chier et que moi je reçoive un super truc. Ça me fout la pression et là déjà. Oh mon dieu, c'est trop mignon! Je sais pas si vous allez bien voir. On avait mis un espèce de petit budget, on avait dit aux alentours de 20 euros, plus moins, c'est vous qui voyez. On s'était pas dit, on fait plein de petits cadeaux ou un gros cadeau, enfin vraiment c'était. Vive votre vie comme vous le voulez. Mais wesh, il y a beaucoup trop de trucs. C'est le meilleur papier cadeau qui existe de cette création. Juste le papier cadeau, je suis fan d'un papier cadeau avec des licornes. Mais regardez-moi la beauté de. Il y a des trucs écrits dessus. Mais attendez, il y a écrit 6. Oh, Matt. Mais j'ai trop de cadeaux, je suis choqué. On avait dit que on devait écrire une carte à la fin avec notre nom. J'ai beaucoup trop de choses, donc y a, je sais pas combien de cadeaux. Et il y a plein de bonbons, et ça on adore les bonbons. J'hésite à les manger maintenant, ce ne serait pas raisonnable. J'adore. Je sais trouver le numéro 1 déjà. Il oh, y a des chocobons, j'adore les chocobons. Je suis effaré par la quantité de cadeaux qu'il y a. Vraiment, mon. Oh, j'ai honte de mon Secret Santa, c'est si nul. Il y a des petits indices derrière. Hello, et si on commençait ce petit Secret Santa avec quelque chose qui te permettra de poser des idées dont tu débordes en ce moment. Ouh, alors je pense que ça c'est par rapport à l'instavant que j'ai un peu abandonné. Ah, shame. Le but c'était de poster une photo par jour pendant bah, pendant l'avant, donc pendant 24 jours, et en fait j'ai eu mes partiels et tout, du coup j'ai pas réussi. J'étais fatigué donc j'ai pas pris de photo, mais bref. Ouh, c'est un carnet. Par contre ce papier cadeau, je suis archi fan. Genre, je vais pas m'en remettre. Il est trop cool avec le un rebord comme ça. C'est un carnet ligné dedans. Et effectivement, on n'a jamais assez de carnets. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de les finir les miens. Donc, il m'en fallait des nouveaux. Et le voilà. En plus, gris, ma couleur préf. Bref. Comment dire, 10 sur 10, Secret Santa pour l'instant. Ça ne me donne absolument aucune idée de qui tu es. Mais 10 sur 10. Alors ensuite, le numéro 2, c'est ici. Bon, je pense que cela ne t'aide pas vraiment, mais la preuve. Attends, quoi? Bon, je pense que cela ne t'aide pas vraiment, mais la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé super grand. Comme cet objet qui, normalement, en ovale, est de taille normale. Hein? Alors déjà, ça veut dire qu'on s'est rencontrés. C'est un indice que j'ai pas rencontré tout le monde du Secret Santa. Je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps à qui j'ai rencontré. Ah, c'est dur, je ne sais pas. Ça me fait mal au cœur de déchirer ça, c'est incroyable. Mais c'est génial! Mais j'adore! C'est un ballon licorne! Mais c'est trop cool!
Oula, oh, attendez, parce que là, il commence à y avoir un mode d'emploi pour gonfler un ballon. Je le gonflerai plus tard. Mais j'aime trop, c'est trop cool. Mais il est énorme. Ah oui, d'accord, en fait, c'est que ses pattes sont à gonfler à part et à incruster. Oh, je suis trop fan. Je vais grave le gonfler. Bon, je le gonflerai après. Ou alors, je le gonfle maintenant. Oh, je ne sais pas quoi faire. Je le gonflerai après. Update, je l'ai gonflé hors caméra. Et il est trop cool. J'aime trop. Toujours pas d'idée. Je sais que je suis fan de Disneyland Paris. Ceci pourrait t'accompagner durant tes séjours dans ce pays imaginaire. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, Anaïs et Mao Elise. Parce que je les ai vus à Montreuil l'année dernière. Oh, mais c'est trop cool. C'est un... Je sais pas le nom, une étiquette à bagages licorne, mais je suis archi fan. Du coup, je vais grave le mettre sur mes bagages maintenant, parce qu'à chaque fois, j'ai des vieilles étiquettes moches, alors que là, c'est sexy raffiné, comme ma personne. Après, qui parmi les trois? Le numéro 4. Une idée, je sais aussi que tu aimes Harry Potter et tes serpentards. Quoi de mieux pour décorer le carnet? Oh, j'adore! Ce sont des petits stickers Harry Potter. J'aime trop, ils sont trop beaux. Vous voyez rien en fait avec cette lumière. Ah, va-t'en, les projecteurs sont ma personne, stop. Ils sont trop cool, j'aime trop. Ce qui est griffon d'or, en serre d'aigle, pouf-souffle. Et, mais serpentard, pour toujours. Je vais grave me faire un carnet tuné Harry Potter. Parce que les autocollants ont l'air d'être en or, et là il y a écrit note en or, donc c'est parfait. Que de sens du détail. Par contre, j'ai toujours aucune idée de qui m'a offert tous ces cadeaux, hein, évidemment. Le numéro 5. J'ai également cru comprendre que tu adores Noël, et si on mélange Noël et la petite souris. Est-ce que je vais recevoir les dents de quelqu'un et ça va me permettre de savoir qui est cette personne? Tiens, regarde, je t'ai offert ma couronne dentaire, comme ça tu vas pouvoir deviner qui je suis. Oh, mais j'aime beaucoup trop! Mais c'est Archimimes, c'est une boule de Noël du coup Disney, mais c'est le pain d'épices Mickey. Ah, mais j'aime beaucoup trop. Je vais grave le mettre dans ma bibliothèque avec mon étagère Mickey. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup trop ce petit objet. Je sais toujours pas qui m'a offert tous ces cadeaux. Ça me stresse. 6. Et j'ai reçu 20 000 trucs. Un indice sur moi, j'ai beaucoup de Funko Pop qui décorent mes 5 bibliothèques. Ce cadeau, pardon, n'en est pas une, mais tu seras libéré en l'ouvrant. Putain, qui a 5 bibliothèques? Du coup, c'est pas Emma. Parce qu'Emma, elle en a 3. Donc c'est soit Ellie, soit Anaïs. Oh, j'adore! J'adore la Reine des Neiges! Est-ce qu'on sait lequel c'est? Non? Bah non, c'est un peu le principe du Mystery Mini. J'adore ce genre de truc. Ah, c'est Anna! Non, mais qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Je dis que de la merde. C'est Elsa! Attendez, je suis pas en train d'enregistrer depuis tout à l'heure, là. Du coup, c'est Elsa, donc je dis que de la merde, c'est Anna, n'importe quoi. Elle est trop mimes, elle a un espèce de petit diamant dans la main, mais c'est par rapport aux éléments dans la Reine des Neiges 2. Vous voyez, derrière, j'ai une étagère, la Reine des Neiges, elle va clairement arriver là-bas. Trop cool! J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je pense que je vais craquer, je vais manger un chocobon. Je ne peux pas résister au chocobon. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé. Ah, est-ce que Elsa serait pas pour Elise? Ouais, mais Anna, ça aurait été pour Anaïs. Et comme c'est un truc où on sait pas ce que c'est. Oui, du coup, c'est de la merde comme façon de penser. 7. Autre chose à savoir, je bois un café tous les matins. Mais à choisir, je préfère un bon chocolat chaud et toi? Moi, j'adore le chocolat chaud, par contre, je déteste le café. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop kiki. Il y a écrit Drink Hot Chocolate and Be Cozy. Mais clairement, avec ce petit renne. Oh, mais j'adore. Alors attendez, comment je fais pour ne pas le décapiter et ouvrir la boîte? Oh, bon, bah j'ai cassé la boîte. Bon, c'est pas trop possible de boire du chocolat chaud avec la boîte. Mais il est trop mignon. Il est en pyjama. J'adore. C'est le moment d'ouvrir la lettre qui va me dire. J'ai perdu la lettre. Où est la lettre? Elle est là. Qui va me dire qui est mon secret de Santa? J'ai un gros doute entre Anaïs et Elise. Elise? Non, c'est Anaïs. Non, je sais. Oh, j'en sais rien. Entre les deux, je suis obligé de voir. Oh. Bon, du coup, j'ouvre la carte et j'aurai la réponse en même temps que vous. Salut à toi, monsieur, le coin de Mathieu. Il y a peu, j'ai découvert que je participais à ce secret de Santa. Ah, mais c'est génial. Elle a fait. Bah, du coup, si je sais que c'est Anaïs. C'est trop bien. En fait, elle a écrit en gras. Je sais pas si vous voyez. Elle a écrit en gras, en fait, des lettres. Et du coup, ça fait son pseudo Booksagrave. Donc, c'est Anna Books. Donc, ouais, c'est Anaïs. Salut à toi, monsieur, quand tu as pêché, je suis parti à Secret Santa. Ah, quel plaisir, j'ai découvert que je devais faire ce colis pour toi. Non, je ne me doutais pas, mais j'espérais tomber sur toi. Aussi, je voulais relever le défi de te faire deviner qui je suis. Oh oh, cela permet au Père Noël de s'amuser. Bon, as-tu une idée de qui se cache derrière ces mots? Ok, oui, je ne suis pas doué avec les mots si bien écrit que Oro. Ouvre les yeux, les indices sont dans cette lettre. C'est génial, merci. J'ai pas d'autres mots. Merci beaucoup. J'ai été, mais pour y gâter, j'en ai foutu absolument partout. Voilà, donc Mathieu, quand il ouvre des colis. Merci beaucoup, genre vraiment, j'ai pas les mots. C'était trop cool comme projet, j'ai trop adoré ouvrir ce colis. J'ai honte maintenant du colis que j'ai envoyé. Je sais pas si je vais le dire maintenant, mais moi j'ai voulu envoyer un colis en mode vraiment Christmas vibes. Que moi j'ai des cadeaux personnalisés, et en fait c'est carrément mieux. Et du coup j'ai trop honte, oh là là.
Je suis désolé pour mon Secret Santa à moi. Je me rattraperai, promis. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Merci à toi, Anaïs, pour ce colis incroyable. J'ai pas d'autres mots. Je suis absolument ravi. C'était clairement un Noël avant l'heure. J'ai adoré. Et puis, bah, merci aux filles avec qui j'ai pu discuter et tout. C'était trop cool. Et je suis grave content d'avoir découvert des nouvelles personnes. Passez d'excellentes fêtes. Je vous envoie plein d'amour. Bon, Noël s'est passé, mais je vous envoie plein d'amour pour Noël et pour cette nouvelle année. Je vous fais des gros gros bisous. Et encore plus à Anaïs. À bientôt. Des bisous!